Good morning, dear friends and partners of Rural Watch in Africa. My name is Ousmane Diallo, consultant for the implementation of the RUASI. RUASI is the Rural Water Supply and Sanitation Initiative work program in the Water Development and Sanitation Department of the African Development Bank. I will be accompanying you through this webinar along with other colleagues to facilitate the interactions. These other colleagues are Nelson, Aline, and Irena, who will intervene from time to time. The FDB, in collaboration with the Rural Water Supply Network, RUASAN, and development partners, agreed to convene e-discussions on prioritizing rural wash in socioeconomic development. To begin, we'll first listen to Mr. Ijoma Welcome's remarks. And then we'll follow an introductory presentation of e-discussion on topic one, which is the prioritization of rural wash, including sustainability and quality of wash services, presentation that I will make myself. Then we'll listen to the speakers of the day, as each of them has kindly shared the experience and ideas around the concerns of rural wash, including the issue of prioritizing wash in rural areas, sustainability and quality of wash services. On behalf of the webinar organizers, I thank them for their commitment and contribution. These speakers are Mr. Thomas Banda Ephraim, which is Mr. Pedro Arojo Agudo, Mr. Aliru Sanfo, Mr. Abdoulaye Sen. I will introduce them more in detail when they are ready to take the floor. Now, after this presentation reminder of the agenda, I will now give the floor to Mr. Ijoma Emenanjo for his welcome remarks. But before that, I would like to present to introduce Mr. Ijoma. Mr. Ijoma Emenanjo is OIC Manager and Chief Water Resource Management Officer in the Water Coordination and Partnership Division of the Water Development and Sanitation Department, and brings over 15 years of professional expertise in the delivery of projects focusing on integrated water resource management, international climate finance, regional integration, and food security. Prior to joining the bank, Ijoma was a lead consultant with the International Fund for Agricultural Development. And before that, he was a senior natural resources management specialist at the World Bank for 8 years, where he led the design and implementation of various analytical and investment projects in Africa and South and East Asia. As part of his work in these roles, he provided evidence-based policy advice to governments, regional economic communities, and river-based organizations on multi-sectoral investment opportunities, climate change and water security, transboundary water agreements, dam safety, and international waterways management. Ijoma holds master's degrees in natural resource management and public administration from Harvard University and the University of Maryland, Baltimore, respectively, and a bachelor's degree in chemical engineering from Howard University. Mr. Ijoma, you have the floor for your welcome remarks. Thank you very much, Ousmane. Thank you, everyone, for attending. I'm very happy to see the very sort of robust attendance on this. So thank you. Good morning, everywhere, and good afternoon, depending on where you are. Yes, so I just on behalf of the bank, the Rural Water Supplies Network, and the development partners, I would like to welcome you to this introductory webinar, which seeks to provide a platform for the preparation and to contribute to the 9th World Water Forum scheduled for March 2022 in Dakar, Senegal. The bank and our development partners involved in rural water services delivery intend to contribute to the 9th World Water Forum in two ways in regards to rural water services. One is through the development of a robust report that we're working on the state of rural water in Africa that the bank is leading with the partners. And secondly is to convene
e-discussions and also webinars, which will serve as direct input and contribution to the discussions at the 9th World Water Forum, particularly focusing on water security, sanitation, water for rural development, and the means and tools priorities. The discussions also aim to contribute to the UN Special Rapporteur's 2022 thematic report on the human rights of safe drinking water and sanitation of people in impoverished rural areas. This webinar today is an introduction to e-discussions on the prioritization of rural wash, including sustainability and quality of rural wash services. This webinar and subsequent e-discussions will provide an opportunity to discuss key wash issues affecting rural populations across local, national, regional, and international levels. The sessions allow us to exchange and share knowledge even within the context of the COVID-19 pandemic, and also to strengthen partnerships and people's resilience and increase their influence in government decision making as they develop COVID-19 recovery plans. We all know that government and partners need to increase investment and resource mobilization for WASH. However, central and local governments can mobilize and commit more resources towards rural WASH if there is increased political prioritization of rural WASH. We have an opportunity to discuss the role of different stakeholders, including the private sector, can play for rural sustainable rural WASH. This is why we are focusing on this topic today. This webinar today and e-discussions that follow provides us with an opportunity to discuss strategies and modalities for mobilizing resources. In conclusion to my brief remarks, and on behalf of the bank and our partners, let me wish us and you a fruitful discussion, and we look forward to the webinar and the upcoming days. Thank you very much. Thank you very much, Ijoma, for your welcome remarks. From now on, I will speak in French. Therefore, I would like to ask you, for those who wish to use the interpretation facility that is offered. Next slide for my introduction of the webinar, of the topic one. Next slide. Alors, dans la présentation que je voudrais faire, elle concerne essentiellement le thème 1. Et je vais expliquer d'abord un peu la base, la justification de ce webinaire. Parce que le Roissy, comme je l'ai dit, c'est l'initiative pour l'approvisionnement en eau potable et l'assainissement en milieu rural, est une initiative conjointe de la BAT et de l'AMCAO qui a été lancée en 2003 pour financer les programmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement en milieu rural et accélérer l'accès à l'eau conformément à la vision africaine de l'eau à l'horizon 2025 et aux objectifs du millénaire pour le développement qui sont devenus aujourd'hui les objectifs de développement durable. En 2005, le Roissy Trust Fund a été créé justement pour mieux organiser la mobilisation des ressources et sécuriser la réalisation des opérations WASH en milieu rural. Après deux décennies de mise en œuvre, la Banque et l'AMCAO ont décidé l'intégration de Roissy comme les autres facilités du secteur de l'eau dans la Facilité africaine de l'eau pour faciliter la mobilisation des ressources et optimiser leur utilisation pour plus d'impact. C'est pour cela, pour ce matin, nous allons présenter le thème 1 de façon détaillée pour permettre la compréhension des discussions en ligne qui vont suivre plus tard au niveau sur ce thème. Comme vous le savez, ce thème porte sur la priorité, la durabilité et la qualité des services WASH en milieu rural. Et
Et concrètement, on s'aligne. En fait, la banque a voulu faire un état des lieux du WASH en milieu rural après près de deux décennies de mise en œuvre. Nous avons également au niveau de la banque senti le besoin de renforcer et d'élever le profil de l'eau du WASH en milieu rural. Et aussi, dans la perspective du rapport de l'état de WASH en milieu rural que nous voulons développer, nous avons estimé qu'il fallait élargir l'éventail des acteurs qui peuvent parler des problématiques de WASH en milieu rural. Donc, l'objectif aussi, enfin, la justification des discussions en ligne, c'est de faciliter les échanges, les discussions par un large éventail d'acteurs. Nous visons également le plaidoyer politique pour apporter une contribution au rapport thématique 2022 des Nations Unies sur les droits de l'homme à l'eau potable et à l'assainissement des personnes vivant dans les zones rurales. Et enfin, comme raison fondamentale, nous estimons que le 9e Forum mondial de l'eau qui se déroulera à Dakar en 2022 est une occasion qui se présente au Roissy de contribuer justement aux échanges et aux discussions qui auront lieu au cours du 9e Forum mondial de l'eau l'année prochaine en mars 2022 à Dakar. C'est pour cela, par rapport à justement au 9e Forum mondial de l'eau, merci beaucoup pour cette clarification. Merci beaucoup pour les interprètes. Alors, en rappel, le 9e Forum mondial de l'eau se concentre sur quatre domaines prioritaires que sont la sécurité de l'eau et l'assainissement, la coopération, l'eau pour le développement rural, les moyens et les outils. Voilà. Alors, les conclusions et les recommandations du rapport de l'état des lieux sur le WASH rural que nous sommes en train de réaliser. Et les résultats des discussions en ligne serviront de contribution directe aux discussions sur le 9e Forum mondial de l'eau, notamment en ce qui concerne les priorités relatives à la sécurité de l'eau et l'assainissement, l'eau pour le développement rural et les moyens et les outils. Pour ce faire, nous avons retenu dans le cadre donc, de ces discussions en ligne deux thèmes qui regroupent l'essentiel des questions prioritaires, à savoir la priorité à accorder au WASH en milieu rural, incluant tous les aspects de durabilité et de qualité des services WASH en milieu rural. Le deuxième thème, c'est la mobilisation de ressources et les investissements pour le WASH en milieu rural. Alors, comme vous... Next slide, please. Alors, les discussions en ligne seront réalisées en deux étapes. La première étape concerne le développement du thème numéro 1 sur la priorité, la durabilité et la qualité des services, qui se déroulera du 4 au 24 novembre. Le thème 2, sur la mobilisation des ressources et la redevabilité, est prévu du 29 novembre au 17 décembre. Alors concrètement, le format de chaque thème contient trois problématiques qui seront discutées séparément durant trois semaines, une semaine par problématique. Le lancement des discussions en ligne pour chaque thème sera précédé d'un webinaire introductif pour présenter le contenu des discussions en ligne. Et le webinaire d'aujourd'hui marque le lancement du thème 1. Celui du thème 2 est prévu le 23 novembre.
Et j'espère que nous nous retrouverons aussi nombreux qu'aujourd'hui. Alors, donc, revenant donc au thème numéro un aujourd'hui, qui concerne effectivement la priorité, la durabilité, la qualité des services WASH en milieu rural, et nous nous inscrivons comme orientation principale de faire un point, c'est-à-dire avoir une idée de l'état des lieux, de la situation, et rechercher les solutions aux différentes problématiques qui peuvent se dégager, et ceci aussi en ligne avec le 9e Forum mondial de l'eau à Dakar, qui est un forum de solutions. Il y a des problèmes concrets qu'on a notés. Quelles sont les solutions envisageables pour pouvoir en tout cas solutionner et améliorer la situation? C'est pour cela, pour la première semaine, qui concerne donc tout ce qui est environnement habilitant, les politiques, les moyens, les outils disponibles à envisager. Et il s'agit concrètement de savoir que faut-il faire pour renforcer durablement la priorité du WASH en milieu rural. C'est-à-dire que nous avons des politiques, des stratégies, des plans et programmes de développement, des cadres législatifs institutionnels, les allocations budgétaires, les dépenses du gouvernement. Ça, la première semaine de discussion portera sur cet aspect. Le deuxième aspect sur lequel va porter les discussions de la première semaine, c'est la question de l'intégration des concepts. Vous savez que les ODD ont inclus les concepts d'accès universel, de ne laisser personne de côté, de droits humains à l'eau et à l'assainissement dans les politiques, stratégies et plans de développement nationaux. Nous voulons orienter les discussions sur les facteurs clés qui permettent d'assurer cette intégration. Troisième aspect à discuter pendant la semaine, c'est la question de la pandémie de COVID-19. On vient de me dire que je suis sur le mauvais canal. Est-ce que c'est vrai? Vérifiez pour moi avant que je ne continue. Donc, le troisième point de discussion pour la première semaine concerne la pandémie de COVID-19, qui pour nous devrait être l'occasion de donner la priorité aux opérations WASH en milieu rural. Mais le constat est que cela ne s'est pas produit de façon significative en termes de ressources, d'allocation de ressources. Donc, au niveau stratégique et opérationnel, quelles sont les approches et les moyens pour mettre en avant l'importance du secteur WASH en milieu rural à la lumière de la pandémie de COVID-19? Donc, voici trois sujets de discussion au cours de la semaine autour desquels, en tout cas, les participants vont pouvoir échanger. Ensuite, il y a la deuxième semaine, les facteurs et les actions d'amélioration de la durabilité et la qualité des services. Ici, le focus est mis sur tout ce qui concerne la durabilité et la qualité des services, parce que c'est une dimension extrêmement importante dans la gestion des services. Ici également, trois questions essentielles vont être passées en revue par les participants. La première question, c'est quelles sont les principales contraintes et les lacunes dans la priorisation politique de la durabilité et de la qualité des services WASH en milieu rural? Quelles solutions peut-on envisager pour y remédier? La deuxième question porte sur l'environnement favorable et les exigences pour assurer la durabilité, le renforcement de ces systèmes et la qualité des services WASH en milieu rural. C'est-à-dire, nous attendons des contributions diverses sur les approches et les solutions pour améliorer la durabilité et la qualité des services WASH en milieu rural. Troisième aspect à discuter, c'est la durabilité et le genre. Et nous sommes tous d'accord que les femmes jouent un rôle majeur dans la collecte et l'économie de l'eau pour l'usage domestique. C'est d'ailleurs, en l'occurrence, le principe 3 de l'AGIR. Donc, la question précise qui est posée, comment renforcer la position et le rôle de la femme dans la prestation des services WASH en milieu rural? Et pendant la troisième semaine, qui se déroulera du 18 au 24 novembre, nous allons aborder les relations entre le WASH
le développement socio-économique dans les zones rurales. Comment le WASH contribue au développement socio-économique dans ces zones-là? Là également, nous avons trois sujets de préoccupation que nous souhaiterions en tout cas discuter au cours de la semaine de discussion en ligne. C'est la nature et le niveau de contribution des opérations WASH au développement socio-économique rural. Est-ce qu'on peut donner des exemples concrets pour illustrer cette contribution? Parce qu'elle n'est pas très bien documentée. Pour remettre, en tout cas, rehausser le niveau du WASH en milieu rural, il est bon de documenter cette contribution-là, en tout cas qui va être un élément de base, de plaidoyer, pour chercher à, en tout cas, élever la priorité, les considérations pour le WASH en milieu rural. La deuxième question porte sur les contraintes et les difficultés à la réalisation du plein potentiel des interventions WASH dans le développement socio-économique rural. Il y a ce qu'on constate, ce qui est aujourd'hui, mais est-ce que le WASH, est-ce qu'on utilise le plein potentiel du WASH en milieu rural pour le développement socio-économique rural? Est-ce qu'il y a encore des choses à faire? Comment on peut améliorer et faire en sorte que le WASH en milieu rural contribue davantage au développement socio-économique? Donc, nous sommes à la recherche de solutions ici pour illustrer justement comment on peut davantage utiliser le plein potentiel des interventions WASH dans le développement socio-économique en milieu rural. Et enfin, le dernier sujet pour cette semaine 3, c'est l'engagement communautaire, l'appropriation et la gestion du programme WASH en milieu rural. Est-ce que ces aspects sont suffisants pour assurer la durabilité? Comment l'autonomisation des femmes peut-elle contribuer à accroître la durabilité et la qualité des services en milieu rural? Nous voulons aussi des exemples concrets ici pour pouvoir, en tout cas, illustrer ces propos-là. Next slide. Maintenant, pour les résultats attendus, juste pour votre information, les produits qui seront issus des discussions, nous allons faire une synthèse des discussions après chaque semaine de discussion sur une problématique. Et à la fin donc du thème, après les trois semaines, nous allons produire un rapport thématique sur le thème. Et à la fin des deux thèmes, justement, nous allons faire un rapport général sur les résultats des discussions. Alors, comment nous comptons, nous envisageons contribuer précisément aux discussions du 9e Forum mondial de l'eau? C'est en accord avec les organisateurs du 9e Forum mondial de l'eau, avoir l'occasion de présenter les rapports thématiques aux ateliers qui vont être offerts. C'est aussi dans les différents échanges et interactions, faire le plaidoyer en faveur du WASH en milieu rural. Nous comptons aussi faciliter le leadership politique à travers le dialogue de haut niveau, notamment celui des chefs d'État qui aura lieu à partir des résultats que nous allons produire. Et nous allons aussi contribuer à la déclaration finale du 9e Forum mondial de l'eau, si en tout cas l'occasion nous est permise. Donc voilà la présentation introductive que je voulais faire sur justement le contenu détaillé et le planning des discussions en ligne en rapport avec le premier thème, la priorité, la durabilité et la qualité des services WASH en milieu rural. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à l'écoute donc des interventions des principaux orateurs qui ont été sélectionnés. Et le premier orateur qui va intervenir est M. Thomas Efren Banda. M. Banda est le directeur des finances et de l'administration du secrétaire exécutif de AMCAO. Il assure présentement l'intérim du secrétaire exécutif AMCAO qui vient d'être recruté, mais qui n'a pas encore pris fonction. M. Banda, en tant que directeur de l'administration de AMCAO, il joue un rôle essentiel dans la prise de décisions stratégiques et la gestion des opérations. Un cadre supérieur pratique. Un cadre supérieur dirige avec efficacité l'équipe chargée des finances et de l'administration du secrétaire exécutif d'AMCAO. Il s'exprime en anglais. Monsieur Banda, vous avez la parole, s'il vous plaît. Thank you very much, moderator. Indeed, my name is Thomas Banda. And we'll be making an intervention on behalf of the African Ministers Council on Water at this very important introductory webinar.
Just as a matter of introductory remarks, I know that most of us here are already converted people, but let me preach to those that are not yet converted, and also maybe just remind ourselves here that the African Ministers Council on Water was formed in 2002 in Abuja, Nigeria, by the ministers responsible for water in Africa. And our mission is to provide political leadership to promote cooperation, security, social and economic development, and poverty eradication in Africa through the effective management of the continent's water resources and provision of water supply services. In 2019, quite recently, at the third specialized technical committee of agriculture, rural development, blue economy, and sustainable environment of the African Union, we were accorded a status of being a delivery mechanism on water and sanitation. So that's the mandate that we have for the specialized technical committee. Now, speaking on the rural wash services in Africa, as AMCO, we consider rural water supply and sanitation initiative, which is in support of it, the African Development Bank, as one of the key initiatives in the water sector. And just to remind people that this initiative was also well supported by AMCO from right at the beginning. As we all know, in many countries in Africa, the population is predominantly rural. And currently, as we talk, around 57% of Africa's population is still living in rural areas. Now, one of the big issues that we are, contemporary issue that we are faced with is the rural to urban migration. So this rural-urban migration is actually placing more pressure for the urban wash services. As many as 8 out of 10 people without access to wash services live in the rural areas. So we can actually see how important, you know, this subject matter is. Another contemporary issue that we are grappling with is the open defecation. It is a big challenge as it is still rising in Africa. So for example, in 2000, the reported figures were 204 million people still practicing open defecation. And this went up to 250 million people in 2019. You can just imagine the rate of increase of people still opening open defecation. Why are these e-discussions important? For us as AMCO, we consider the e-discussions being launched today to be important for many two reasons. The first being that these discussions will provide us with the opportunity not only to cast a spotlight on the rural wash, but to consider progress, the challenges faced, and the solutions to overcome those problems. And secondly, we believe that these discussions complement various continental processes like the Africa Water and Sanitation Week, which will be holding from the 22nd to 26th of November this year. And let me take this opportunity to invite all the participants here to this Africa Water and Sanitation Week. This also provides us with an opportunity to explore ways to contribute in a strategic manner to the 9th World Water Forum, which will be hosted in Dakar, Senegal, in March 2022. So we expect that all the discussion, the deliberations that we're going to have here, the solutions or whatever, will be fed into the 9th World Water Forum and up to the highest, you know, political
decision-making bodies, you know, of the African Union. I'm happy to see the participation of the 9th World Water Forum organizers in these discussions. I would like to conclude my intervention by sharing with you some of a few reflections on how to prioritize rural wash in Africa. The first reflection is basically on the political support. We need sufficient political support and prioritization by the African governments to make sure that we have sustainable and quality rural wash services. But in order to achieve this, there is need for advocacy for improved high-level coordination and vigorous lobbying through the African Union, AMCO, and other development partners to ensure that rural wash is accorded the attention it deserves. The advocacy for improved enabling environment to attract non-traditional financing, including private sector and self-supply approaches. This is a third reflection that I want to share with the participants here. And the fourth reflection, there's also need for governments and development partners to work collaboratively and ensure that rural wash services and performance are regularly evaluated and reported. And finally, we're saying this is why at AMCO we are happy that the bank and other development partners are working on the state of rural wash in Africa report. This is a very important report because it will help us to inform policy decisions. I would like to thank you for your attention, and I'll hand over the floor for any comments. Thank you. Donc, je voudrais introduire maintenant monsieur le deuxième orateur, qui est monsieur Pedro Araújo Agudo. Il est le rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l'homme à l'eau potable et à l'assainissement. Il a été nommé en 2020. Il conduit présentement le rapport thématique 2022 sur les droits de l'homme à l'eau potable et à l'assainissement des personnes vivant dans les zones rurales défavorisées. Chers amis, nos ancêtres ont marché et marché jusqu'à ce qu'ils ont trouvé finalement un endroit avec suffisamment d'eau pour garantir une vie digne. Le réseau naturel de rivières et d'aquifères a couvert presque 100% de l'humanité pendant des milliers d'années. Cependant, aujourd'hui, au XXIe, XXIe siècle, 2,2 milliards de personnes n'ont pas l'accès garanti à l'eau potable. 2,2 milliards qui ne sont pas proprement dit, dans leur grande majorité, des personnes assoiffées sans eau dans leur milieu de vie, mais plutôt des personnes appauvries vivant à côté de rivières et d'aquifères pollués. C'est pourquoi j'insiste sur le fait que si nous voulons relever le défi de garantir l'accès à l'eau potable à ces 2,2 milliards de personnes, nous devons restaurer la santé des rivières et des aquifères dont elles dépendent au quotidien et donner aux femmes et aux filles la reconnaissance et l'autorité, car ce sont elles qui ont pris la responsabilité de fournir l'eau à la famille et à la communauté la plupart des cas. Mais bien sûr, la pénurie est aussi un problème pour beaucoup. En ce qui concerne les régions arides qui risquent de devenir inhabitables avec le changement climatique, comme Michelle Bachelet l'a récemment souligné devant le Conseil des droits de l'homme, des droits humains, il est nécessaire de renforcer le programme Sécurité humaine, migration et changement climatique afin d'activer les plans d'adaptation lorsque cela est possible, et des plans de migration et de réinstallation lorsque l'adaptation est irréalisable. Des stratégies d'adaptation qui doivent être fondées sur l'intégration de la dimension de genre et inclure l'eau nécessaire pour garantir la souveraineté alimentaire des communautés, sachant que ce sont les communautés les plus démunies et qui ont le plus de difficultés dans les processus d'adaptation.
En tout cas, nous devons relever aussi le défi de l'assainissement. Parler d'eau potable est plus séduisant, mais au quotidien, la toilette est aussi nécessaire que l'eau potable. Y compris, ne l'oublions pas, l'hygiène menstruelle pour les femmes et les filles qui représentent le 50% de la population. Le droit humain à l'assainissement commence par l'espace hygiénique et sûr dont nous avons besoin. Et là encore, nous devons accorder une attention particulière aux femmes et aux filles, car elles continuent d'être victimes d'agressions et en particulier de violations lorsque cette sécurité et cette intimité ne sont pas garanties. Mais l'assainissement s'étend au défi de nettoyer les retours aussi, pour éviter de polluer l'eau que d'autres doivent boire. Aujourd'hui, avec la croissance démographique, nous devons collaborer avec notre effort responsable à l'épuration naturelle que font gratuitement les rivières et les zones humides. Et nous savons faire aujourd'hui des installations sanitaires étendues qui peuvent être gérées à très faible coût par les communautés rurales en imitant les processus naturels que développent les écosystèmes aquatiques. Cependant, les principaux impacts sur les écosystèmes qui mettent en péril, en danger les droits humains proviennent des grands projets extractifs, hydrauliques, miniers et industriels, ainsi que des déversements urbains. Des impacts qui demandent la responsabilité de l'État. Une responsabilité de l'État qui doit aussi inclure le soutien nécessaire pour résoudre les problèmes qui dépassent les capacités des communautés rurales pour garantir les droits humains à l'eau potable et à l'assainissement. Permettez-moi enfin de mettre sur la table un autre défi que nous devons relever si nous voulons aborder la crise mondiale de l'eau, le défi de développer une gouvernance démocratique de l'eau. À cet égard, je voudrais souligner l'exemple de nombreuses communautés rurales qui pratiquent la gestion communautaire. Certes, bien sûr, il s'agit souvent d'une conséquence de l'incapacité de la fraude, du défaut de volonté des États pour accomplir leurs obligations dans les zones rurales. Ok, d'accord. Mais ceux qui développent ces approches de gestion, comme c'est le cas de beaucoup de cas dans le réseau de plus en plus coordonné d'aqueductos comunitarios, d'aqueductos communautaires en Amérique latine, bon, cela applique cette devise que nous disons en Espagne de hacer de la necesidad virtud, c'est-à-dire de faire de la nécessité une vertu, transformant la nécessité imposée par l'abandon des États en une vertu démocratique et participative dans la gestion d'un bien commun comme c'est l'eau en fait. En ce sens, la gestion communautaire en milieu rural qui exige et mérite du soutien des États nous offre des exemples vivants de gestion démocratique de l'eau en tant que bien commun, dans lesquels, heureusement, le leadership nécessaire et juste des femmes sur ce front est de plus en plus reconnu. Merci bien. D'intervenir. Je voudrais rappeler que M. Sanfo est député à l'Assemblée nationale du Burkina Faso. Il est le coordonnateur du réseau des parlementaires pour l'eau potable, qu'on appelle le REFA, et président du REFA Afrique. Monsieur Sanfo, après son admission au concours de recrutement des enseignants du primaire en 1994, il a momentanément quitté Yako, sa ville natale, pour prendre service à Kalsaka dans le Yatenga, c'est une province. Il est conseiller pédagogique et itinérant après son stage à l'école supérieure de l'Université de Ouagadougou. Il est le président du groupe parlementaire Rassemblement pour la démocratie et la justice et membre de la commission de défense et de sécurité. Monsieur Sanfo s'exprime en français. Monsieur Sanfo. Je peux aller? Oui, oui. Merci, merci beaucoup. Je voudrais, avant de commencer, rappeler que je suis effectivement le député Alidou Sanfo,
Je suis coordonnateur du réseau des parlementaires pour l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement. C'est un réseau, une organisation donc du Parlement burkinabé, dont le rôle est de contribuer à influencer donc les politiques publiques en matière d'accès à l'eau potable et à l'assainissement au Burkina Faso. Récemment, donc, nous avons créé le réseau au niveau africain, qui s'appelle REPA Afrique, qui regroupe une dizaine de pays. Et cela a été possible grâce donc à l'accompagnement de Niel, qui nous a soutenus pour que nous puissions, en tout cas, les pays là, puissent se mettre ensemble, parce que en Afrique, tous les pays ont les mêmes problèmes en matière d'eau et d'assainissement. Alors, mais dans notre action, au regard des difficultés, nous devrions pouvoir nous réunir. C'est la même chose aujourd'hui. Les difficultés liées au COVID font que nous avons déjà réalisé des activités, mais par visioconférence. C'est ainsi que le 22 septembre passé, nous avons, au niveau africain, pu nous réunir pour regarder la problématique des directives africaines pour l'élaboration des politiques d'assainissement, ASPG, dont AMCAO est l'organisation porteuse donc, de ces problématiques-là. Et cette rencontre que je disais le 22 septembre a été aussi également possible grâce à l'accompagnement technique de AMCAO et de Niel. Alors, pour le Burkina Faso, c'est un vieux réseau qui existe depuis 2009 et dont nous avons mené plusieurs actions d'interpellation parce que le rôle du Parlement, c'est de voter la loi, mais c'est aussi de contrôler l'action du gouvernement. Et parlant donc des questions d'eau et d'assainissement, nous avons, à chaque session parlementaire, travaillé à ce que le gouvernement revienne sur ses engagements, c'est-à-dire les engagements que le gouvernement prend en matière donc d'accès à l'eau. I think because of time, shall we move to the next speaker and then we go back to Monsieur Sanfo? Okay, we have a problem with the speakers or what? Yes, we have lost connection for the speaker. Yeah, okay. Monsieur Sen, s'il vous plaît, que je peux vous introduire pour votre présentation? Oui, parfaitement. Alors, donc, je dirais que M. Sen est le secrétaire exécutif du 9e Forum mondial de l'eau qui est prévu à Dakar en 2022. M. Sen est ingénieur en génie civil spécialisé en hydraulique. Depuis 2018, il est le secrétaire exécutif du 9e Forum mondial de l'eau et ancien président du Conseil régional de FATIC de 2002 à 2009, ancien député à l'Assemblée nationale entre 2007 et 2012, et président de la Commission de développement et de l'aménagement du territoire. M. Sen est aussi ancien président du conseil d'administration de la SOGEM, qui dépend de Manantali, c'est la société de gestion du barrage de Manantali, de l'OMVS, entre 2013 et 2017. Il est chef de la mission d'études et d'aménagement des vallées fossiles entre 1994 et 2000, directeur du génie rural et de l'hydraulique au Sénégal entre 1990-1994, et membre de diverses institutions nationales et internationales, bien entendu, dans le secteur.
Je voudrais d'abord vous saluer tous et m'assurer que ma liaison est correcte. Est-ce que M. Diallo, vous m'entendez bien? Moi, je vous entends très bien. Je pense, M. Sen, donc vous pourriez continuer. Il semble que M. Diallo a quelques difficultés. Très bien. Alors, je voudrais saluer tous les panélistes qui ont déjà pris la parole et qui vont prendre la parole. Saluer notamment le représentant de l'ABAD, saluer le représentant de AMCAO, saluer l'honorable député qui a parlé au nom des parlementaires et remercier tous ceux qui prennent part à cet important webinaire qui est organisé par l'initiative LABAD Rural Water Supply Network sur un thème qui nous préoccupe tous, la priorité à l'eau, l'assainissement et l'hygiène en milieu rural. Ce séminaire, je me réjouis de constater qu'il se positionne parfaitement dans la série des événements majeurs que nous intitulons « En route vers Dakar 2022 ». Je tiens à remercier une nouvelle fois la BAD, notamment le Rural Water Supply Network, pour l'intérêt particulier que la BAD accorde au 9e Forum mondial de l'eau. Comme vous le savez, nous attachons une grande importance à la participation de l'ensemble des acteurs au Forum, mais en particulier à la participation de ceux qui sont impliqués dans le développement du monde rural. Il est important, en effet, de rappeler que c'est la première fois qu'un Forum mondial de l'eau accorde une priorité politique spécifique et particulière au sujet de l'eau pour le développement rural. Et ceci, c'est parce que la conviction du Sénégal est qu'il est essentiel d'attaquer la source du mal-développement des espaces ruraux d'Afrique à la base. En effet, l'Afrique souffre dans sa ruralité de grandes difficultés liées notamment en grande partie à l'accès insuffisant et inadéquat à l'eau, liées également à l'absence de planification des territoires ruraux avec une bonne articulation à une véritable politique hydraulique rurale. C'est la raison pour laquelle nous avons tenu à élever la question de l'eau pour le développement rural comme étant une des priorités fondamentales de l'agenda du 9e Forum mondial de l'eau. Il s'agit là de veiller à une meilleure prise en charge des problématiques de l'eau en milieu rural à côté de l'attention qui a toujours été accordée au monde urbain. L'agenda rural mérite en effet d'être élevé au rang des priorités, au même titre que l'agenda urbain, partout et à travers le monde. Et pour atteindre cet objectif, le 9e Forum mondial de l'eau a défini 6 orientations stratégiques à mettre en œuvre pour atteindre les ODD et le développement durable des espaces ruraux. Il s'agit entre autres de la nécessité d'assurer l'accès universel à l'eau et à l'assainissement dans les zones rurales, de fournir des installations publiques d'eau et d'assainissement pour les écoles, les établissements de santé. Il s'agit aussi d'assurer des pratiques agricoles durables, y compris la productivité et l'efficacité de l'eau, la réduction de la pollution diffuse et la diminution des pertes alimentaires. Enfin, il s'agit d'engager et d'habiliter les communautés rurales à être les véritables moteurs du développement socio-économique à travers l'eau, ce qui nous permettra de réduire le fossé rural-urbain, mais surtout de freiner l'immigration clandestine. Mesdames et messieurs, en dépit de la pandémie qui a entraîné le report d'un an du forum, le processus préparatoire s'est poursuivi avec des innovations importantes et des évolutions positives dans la mise en œuvre de la feuille de route. Nous avons dû nous adapter aux contraintes de la COVID en mettant en place une plateforme collaborative numérique qui a mobilisé plus de 1000 institutions publiques et privées à travers le monde. Et grâce à cette plateforme, nous avons pu élaborer un ensemble de propositions d'action clés autour des 4 priorités du forum. Ces propositions ont été présentées et validées lors de la 2e réunion des parties prenantes qui s'est tenue à Dakar les 14 et 15 octobre dernier. Cette réunion a mobilisé
des ministres, des parlementaires, des autorités locales, des organisations de bassin, mais aussi la société civile, notamment les jeunes, pour pouvoir stabiliser ce que devrait être le programme définitif du forum. Nous avons pu réunir plus de 400 participants en présentiel et près de 500 participants connectés du monde entier par une plateforme digitale. Et aujourd'hui, nous pouvons vous confirmer que nous avons arrêté et stabilisé l'agenda du forum avec près de 100 sessions qui résultent des propositions des groupes de travail, dont 23 sessions seront dédiées au sujet relatif à l'eau pour le développement rural. À cet égard, nous vous proposons une synergie d'action pour identifier les gaps, pour consolider et bâtir les réponses efficaces à travers la mise en œuvre d'actions tangibles sur le terrain pour améliorer l'accès à l'eau et à l'assainissement de nos populations rurales. À cet égard, le Forum mondial de l'eau entend donner une dimension politique particulière aux résultats du forum. Ceci à travers un sommet des chefs d'État qui va lancer une mobilisation internationale en faveur de l'ODD 6 et renforcer bien sûr en conséquence l'action sur le terrain pour accélérer l'accès à l'eau. En plus du sommet des chefs d'État, des segments politiques seront dédiés aux ministres, aux parlementaires, aux collectivités territoriales et aux organisations de bassin. Je dois également rappeler que dans la perspective de faire du Forum de Dakar un forum des réponses, nous avons lancé ce que nous avons appelé l'initiative Dakar 2022, qui a permis aujourd'hui de labelliser 71 projets venant des 5 continents. Et je peux dire que le processus de labellisation va se poursuivre jusqu'en décembre 2021. Et vous êtes invités à nous soumettre vos projets pour qu'ils puissent figurer sur la liste des projets qui seront labellisés et qui seront présentés dans un parcours de réponse à Dakar. Je voudrais conclure maintenant mon propos en renouvelant mes chaleureuses félicitations et mes remerciements à la BAD pour son leadership et la qualité de son engagement auprès du secrétariat exécutif du 9e Forum mondial de l'eau, mais plus globalement, au service de l'eau pour le monde rural. Je voudrais également vous rassurer, mon cher ami et frère Diallo, vous rassurer sur le fait que votre appel a été entendu. Nous veillerons à ce que les propositions qui seront issues de ces journées de réflexion que vous êtes en train d'organiser puissent impacter et être prises en charge dans le cadre des différentes composantes du Forum mondial de l'eau. Nous souhaitons qu'avec une présence massive et significative, vous puissiez effectivement porter vos messages à l'occasion des sessions de haut niveau, à l'occasion d'événements parallèles, mais aussi en participant à l'exposition et en faisant aussi participer des jeunes et des membres de la société civile pour que le Forum de Dakar soit un forum participatif, inclusif et réussi à tous égards. Votre présence à nos côtés sur le chemin de Dakar 2022 et votre participation au forum du 21 au 26 mars 2022 nous permettra d'organiser un forum historique et un forum qui impacte sur le quotidien des Africains en milieu rural en assurant la sécurité de l'eau pour la paix et le développement partout et en particulier pour les espaces ruraux du monde. Voilà le message que je voulais vous délivrer en vous réitérant nos voeux de succès et en vous réitérant surtout notre disponibilité à poursuivre ensemble la collaboration pour que vos propositions et les résultats de vos réflexions puissent bien être pris en charge dans le cadre du 9e Forum mondial de l'eau. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur Sen, pour ces mots très forts. I think we're trying to transition to the new section of this particular webinar, which is questions and answers. But you will recall that we didn't finish to hear the remarks from the Honorable Member of Parliament.
So I thought that maybe because of what has been proposed that we should add just about 20 to 30 minutes, then maybe we should use that moment to just hear maybe the Honorable Member of Parliament finish off his comments. And then we can also maybe finish off the video quickly. And I'm sure that we'll make arrangements also to share the link for the video for all the participants here to also listen to the message from the UN Special Rapporteur, which he shared with us in this particular webinar. Hello? So at this point, Usman, I was trying to just say that we are adding a bit of time, but maybe because we also had planned to finish off with the Honorable Member of Parliament. So let's hear from Honorable Sanfo. If you can please finish off, maybe within 2 minutes, if you can manage that, that would be great. Thank you, Honorable Sanfo. Monsieur Sanfo, pouvez intervenir? Monsieur Sanfo? Oui, je suis là. Oui, allez-y pour votre présentation, pour terminer ce qui reste à dire, quoi. Je voulais dire que, au regard de la situation préoccupante de l'eau et de l'assainissement en milieu rural, les pouvoirs publics ont obligation d'intervenir avec force pour résoudre cette question qui va inéluctablement influencer les efforts même de développement et des populations en milieu rural. Et en tant que parlementaire, nous disons que pour résoudre la problématique du WASH en milieu rural, plusieurs approches ont été déjà essayées, à savoir la construction des barrages, des puits, des forages, des latrines. Mais toutes ces approches-là, les populations n'ont pas été associées. Aujourd'hui, nous faisons la proposition, notamment à la BAD, qui est initiatrice donc de cette bonne réflexion, à ce que la stratégie soit basée sur le développement endogène, c'est-à-dire l'implication des populations, que ce soit pour la réalisation, par exemple, des infrastructures en eau ou à l'assainissement, cela va leur permettre donc de pouvoir assurer la gestion. Parce que le plus important, c'est de ne pas de réaliser, c'est de pouvoir gérer donc après. Et comme quoi, il ne faut pas apprendre, il ne faut pas donner du poisson aux gens, mais il faut leur apprendre à pêcher. Voilà donc ce que je donne comme conclusion, tout en félicitant et en encourageant donc la BAD et tous les acteurs qui ont permis donc ce webinaire. Nous restons à la disposition donc des participants pour des éventuelles questions relatives peut-être au Parlement. Nous reviendrons avec plaisir pour donner les réponses. Merci. Merci, M. Sanfo. Donc, nous allons rapidement passer à la séance des questions-réponses. Mais pour lancer la séance des questions-réponses, je voudrais quand même poser une question aux panélistes, mais surtout à l'ensemble des... Il y a trois participants dont nous souhaiterons écouter les réflexions. Il s'agit de Mme Nompi Mchaling Chali, basée au secrétariat de AMCAO, de M. Juste Nancy, directeur national de IRC Burkina Faso, et M. Sean Fouré, qui est le directeur du secrétariat du réseau pour la provision en eau potable et en milieu rural. Alors, je voudrais dire que le constat est que le programme WASH en milieu rural ne bénéficie pas d'une attention et d'une priorité suffisante de la part des gouvernements et que plus de 57% de la population africaine vit dans les zones rurales. Alors, la question est la suivante. Quelles sont les contraintes au plan stratégique opérationnel qui font que le programme WASH en milieu rural ne reçoit pas le même niveau de priorité que le programme WASH en milieu urbain de la part des gouvernements et des partenaires au développement. Concrètement, que faut-il faire? Quelles sont les perspectives pour améliorer la situation et renforcer durablement la priorité de WASH en milieu rural? Et quelles sont vos réflexions sur la question? Madame Nompi Mchaling Chali, si vous pouvez prendre la parole, s'il vous plaît. Thank you very much. Good morning, good afternoon to you all. I'm happy to share my reflections on this. And thank you so much for all the presenters
they've actually highlighted on pertinent issues in the WASH sector. I am happy to share my reflections as firstly, I'm happy that Madame most Lompi. Speakers... Hello? Hello? Lompi. Can you hear me? Yes, can yes we can hear you. Continue. Oh, yes. Great. Okay, wait. Thank you so much. Okay. I like the point of emphasizing on advocacy at high level coordination. And in addition to that, we need to strengthen the multi-stakeholder platforms at national level to ensure effective sector. But I won't waste more time. I'll just share with you five building blocks that SWA, Sanitation and Water for All, put together in consultation with their partners. Firstly, it's sector policy and strategy. We need to ensure that sector policies and strategies are in place today to identify sector goals, specific sector goals. What do we want to achieve as a sector? And institutional arrangement, that is my number two building block, which also identifies the allocation of institutional roles. It has to be clear who is responsible for what at national level. Otherwise, there could be duplication of efforts, a lot of players doing the same thing. So we should ensure that the institutional arrangement is indeed clearly defined. Thirdly, is the planning, monitoring, and the review, which is we should make sure that we have costed plans, we monitor, and we report or review our progress. Without a reliable data, we cannot achieve our goals. So this is very important to have it in place. Lastly, is capacity development. So we should make sure that we develop the partners, the institutions, even the recipients. Most of the speakers here emphasized on engaging or involving the communities, the recipients. So those must be capacitated clearly on how should they manage the systems on the ground. So I would have loved to share more with you, but in the interest of time, let me just stop here. Thank you so much for the opportunity. Over. Was I speaking to the meeting or I yes. got disconnected? Mr. Osman. Okay, thank you. Thank you very much. So it appears we have lost Osman, but let's also hear Joost from IRC, if you have anything to add and reflect based on the contribution that we have heard today. And of course, also if you have any maybe questions, let's hear from you, Joost. Okay, thank you very much, Nelson. And I would like just to do justice to the French speaking colleagues to continue in French. La question soulevée par M. Diallo est vraiment très pertinente. La première, c'est de comprendre pourquoi se fait-il que l'eau et l'assainissement en milieu rural n'aient pas fait l'objet de la même priorisation politique. Et ensuite, il posait la question de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour inverser cette tendance. La réalité, elle est là, que l'eau et l'assainissement ne font pas l'objet du même niveau de priorité dans l'agenda de développement au niveau politique que l'eau et l'assainissement en milieu urbain, donc en comparant le milieu rural et le milieu urbain. Et l'une des raisons que je pense être à la source de cette situation, c'est le faible niveau d'influence des acteurs ruraux, des populations rurales. On sait aujourd'hui que nos pays sont largement dirigés par et influencés par les priorités et les besoins des acteurs urbains parce que ces acteurs sont vraiment influents, ils manifestent, ils peuvent déstabiliser et donc du coup, naturellement, ils exercent une pression plus forte, une influence plus forte sur
les besoins ou les priorités d'investissement dans nos pays. Donc ça, c'est une première raison. Et la seconde raison, c'est quand même que, étant des pays, pour la plupart, dans la plupart des cas, en développement, les autorités politiques font face à des agendas ou des priorités de développement, plusieurs priorités de développement, plusieurs secteurs qui compétissent au niveau des priorités. Et donc, quand plusieurs secteurs sont en compétition, bien évidemment, c'est le secteur qui se défend le mieux, qui présente le plus d'arguments, qui est le plus, qui manifeste le plus, qui arrive à mettre le plus la pression, qui arrive à avoir une part plus importante, si vous me permettez l'expression, une part plus importante du gâteau. Donc voilà, les acteurs urbains sont plus influents et les besoins de développement sont sur plusieurs fronts, viennent de plusieurs secteurs et sont en conflit, se face à des ressources qui sont limitées. Donc je dirais que la question de la faible priorisation de l'eau doit nous interroger. Nous, en tant que professionnels de l'eau et de l'assainissement, nous, en tant que défenseurs de l'eau et de l'assainissement, sur nos approches, nos méthodes, les moyens, les solutions que nous adoptons, justement pour que l'eau et l'assainissement en milieu rural soient une priorité. Et je pense que ainsi, on pourrait s'accorder sur un des éléments de diagnostic, c'est que nous n'avons certainement pas utilisé les moyens les plus efficaces pour influencer la priorisation politique. Et en cela, je voudrais donc poursuivre ma contribution en termes de solutions. Je pense que le 9e Forum mondial de l'eau qui se tient en Afrique est une opportunité unique. Unique en ce sens que c'est la première fois qu'en Afrique, on accueille un événement de si grande envergure au cours des dernières décennies. Et unique en ce sens que cet événement intervient juste après le COVID, qui est venu comme pour nous rappeler le niveau de fragilité de l'Afrique subsaharienne face à cette pandémie et aux pandémies similaires qui peuvent circuler. La toute première réponse, je vous le rappelle, qui a été prescrite pour prévenir le COVID, c'est de se laver les mains. Je pense que tous ici, nous nous sommes interrogés sur comment on se lave les mains régulièrement quand on n'a même pas assez d'eau à boire à la maison. Comment on se lave régulièrement les mains avec de l'eau propre quand on doit passer des heures entières de la journée à aller chercher cette eau. Et naturellement, quand on souffre autant pour chercher de l'eau, la première chose qu'on a envie d'en faire, ce n'est pas de se laver les mains. Donc aujourd'hui, l'Afrique subsaharienne est certainement l'endroit du monde la mieux préparée à réagir. Et nous sommes extrêmement chanceux aujourd'hui que le COVID ne nous ait pas frappé comme sur d'autres continents. Et encore, il y a quand même des pays qui ont été durement frappés. Donc, je pense que le Forum mondial de l'eau qui intervient au lendemain de cette situation avec toute cette convergence de facteurs est une occasion unique et unique en ce sens que non seulement ce sera le forum de tous les acteurs de l'eau, mais en particulier, il y a un sommet des chefs d'État. Et pour moi, c'est là, parce que c'est les chefs d'État qui décident, c'est les chefs d'État qui définissent les priorités. Et c'est l'occasion pour nous, plus que jamais, d'user tous les moyens qui sont à notre portée et d'exploiter toutes les possibilités que nous avons pour leur faire entendre nos préoccupations. Les préoccupations en termes de faible accès à l'eau potable et à l'assainissement en milieu rural, en Afrique. Et leur faire prendre des engagements forts, pas seulement des déclarations, de principes, mais des engagements vraiment sérieux, vraiment conséquents. Je pense que tout le monde conviendrait ici que la vision africaine de l'eau, la toute première ambition dont les priorités sont autour de l'eau potable et de l'assainissement, avait déjà, dès les années 2000, indiqué que l'Afrique souhaitait atteindre l'accès universel à l'eau potable et à l'assainissement au plus tard en 2025. Je pense que personne ici ne m'en voudra si je dis que l'Afrique a lamentablement échoué à atteindre cet engagement. Comment nous faisons pour que les engagements que nous allons prendre, que la vision africaine de l'eau après 2025 ne soient pas simplement des déclarations politiques en l'air? Je pense que ça se jouera à Dakar et c'est là que nous devons fondamentalement user de tous les moyens d'influence, de plaidoyer pour faire passer le message et faire prendre des engagements sérieux et concrets par nos chefs d'État. J'insiste vraiment parce que ce n'est pas avoué à moi que revient la responsabilité ou la possibilité de prioriser
l'eau et l'assainissement en milieu rural dans nos pays. C'est au chef d'État. Et nous aurons l'occasion unique de les avoir à Dakar. Et si nous ne saisissons pas cette occasion pour leur demander de changer et d'inscrire l'eau potable et l'assainissement en milieu rural en priorité, je pense que nous serions passés à côté d'une occasion historique. Donc voilà un peu la conclusion, la contribution que je voudrais faire à cette réflexion et insister sur le rôle que peuvent jouer des acteurs majeurs comme le réseau des parlementaires pour l'eau potable et l'assainissement en Afrique. Je me réjouis énormément de Thank you so much, Nancy, for those reflections and contributions. And I recognize the fact that we really don't have much of the time. But I'd like to emphasize here that we have seen quite a number of points raised in the chat, but also in the question and answer. If we don't have time to answer all these questions, for sure, we can say that these are some of the things that we have to deal with during the e-discussions. And the assumption that I have is that most of us, the participants here, we are already aware that we will be having e-discussions on most of these things that you have raised. But I would like to use maybe the remaining time just to read out some few points and questions that have been raised, and I'd be happy if maybe some of the speakers can also address some of these. Some of the points raised are more of questions, and also some of them are comments really, or suggestions. So I'd like just to read some few that I see here. First of all, I see a comment from Jen Wilbur. She's saying thank you for the presentations, which is great. And she found them very interesting. But then she's asking, would you consider expanding the e-discussions beyond focusing on only women to also include people with a disability? So I think this is the point to you, Usman, when you talked about the structure of the e-discussions to consider also issues of people with disabilities. And she says there is an overwhelming evidence that people with disabilities have also less access to rural water than people without a disability. So these are issues that I think we have to take into account as well. But I would imagine that the response to this is that this would definitely be taken up. Then Anthony Harvey is saying, please let us know where can we find discussions on the technologies of WASH and how best to optimize these. While the discussions appear to focus on the problems of WASH, there appear to be few discussions about the solutions. So I think what Anthony is encouraging us is to make sure that we don't just talk about the problems, but rather we should be looking at the technologies that are already providing solutions and working towards how can we optimize these as well. How can we make full use of this? And I think it would be interesting to have our political leaders promoting some of these technologies as well. I'll leave Usman to help me with some of the questions raised or comments raised in French. But there is also Ibrahim Gon here who is saying WASH in rural areas should be knowledge driven. He's talking about identifying appropriate resources available to the rural area. This could be surface against the groundwater. Then we have to work towards optimizing their usage and of course work towards minimizing the wastage. So the point here in this particular comment is that definitely we have to focus on the knowledge and making sure that we are promoting the knowledge related to rural WASH. And of course, taking into account mostly the resources are surface water or groundwater. So we have to find a way to deal with that. So it's more of a very interesting comment. But then I think if we have still Honorable Sani on the call, there is a question here that is related to the comment to say, actually the sector blocks that were shared are agreed and they need more emphasis. But then the question is, how can we establish good monitoring and evaluation tools in both water sanitation
and of course at the rural community level. And in the coming 9th World Water Forum, will there be an opportunity to address issues of making sure that we have monitoring and evaluation tools? So I'm not so sure whether Ablai Sani, Honorable Sani, you may have an opportunity to respond to this. Let me finish off with this other point that was raised at the beginning, but I thought I should read it out here. It is about the comment that was made by the AMCAL representative, Mr. Banda. This is coming from Sally Sutton. He's saying, it is heartening to see AMCAL giving the potential of self-supply emphasis. How can we get that suggested emphasis translated into policies and onto the ground? I think that's the main question to all of us, not just to AMCAL. It's a question of how can we really ensure that we are pressing emphasis on the self-supply. And he, I'm not so sure, but he is continuing to say the suggested emphasis can be an issue for discussions before and during the World Water Forum as well. At least there is a statistic here, so I should also make sure that maybe I read it out. At least 16% of those with at least the basic supply provided it for themselves on their own premises. Many millions more share in the use of these supplies. So self-supply therefore provides a significant part of total access to basic supplies in the region and further to most of those with an improved groundwater supplies. All these supplies providers also need support to further improve services in the sustainable fashion. So I think it's a question of saying self-supply looks like it's a solution that can be applied as well. I think these are some of the points or questions that I'm sure at the time that we are having the e-discussions, we will work to make sure that we respond to some of these points as well. And I'd like to encourage those that have submitted the questions here to also follow the conversations that we'll be having during the e-discussions, because we can have an opportunity to also bring in some reflections based on this. I think I should say over to you, Usman, on the, some of these points that have been raised in French. Thank you very much, Nelson. Alors, en fait, bon, le but de, on ne pourra pas adresser toutes les questions qui sont été posées dans le chat box. C'est à cause du temps qui nous reste. Mais comme il a dit, le but justement d'introduire justement les discussions en ligne qui vont intervenir au cours des 3 semaines à venir sur les différentes préoccupations problématiques que nous avons citées. Alors, mais cependant, il y a une question qui est relative un peu, comment on appelle ça? Je cherche un peu la question en français. Quelqu'un qui parle. Alors, il y a M. Djibrila Youssoufa qui a demandé si le Nexus Watch et développement est pris en compte. Mais je répondrai oui, justement, parce que l'une des problématiques, justement, c'est de contribuer, c'est que le Watch contribue au développement socio-économique en milieu rural. De quelle manière? Parce qu'on sait très bien que le Watch est lié à beaucoup de secteurs socio-économiques, mais la contribution du Watch à ces secteurs-là n'est pas très bien développé, n'est pas très bien documenté. Donc oui, le WASH contribue au développement socio-économique et comment, de quelle manière, quelles sont les contraintes à ce niveau aussi. Et nous avons parlé du potentiel justement du WASH à la contribution au développement au milieu rural. Donc les discussions vont permettre effectivement de clarifier ça, de mieux documenter, de prendre des exemples, en tout cas réussis, qui permettront de mieux documenter cette question-là. Ensuite, on parle beaucoup, M. Mohamed Abdawa dit qu'on parle beaucoup de l'accès à l'eau potable en milieu potable, l'eau potable en milieu rural au détriment de l'assainissement. Or, on a vu à l'heure, on a vu tout à l'heure que 8 sur 10 personnes défécant à l'air libre sont en milieu urbain. Oui, mais ici, nous nous intéressons beaucoup plus au milieu rural à cause du gap, à cause du déficit, à cause du retard qu'il y a d'une manière générale entre le milieu urbain et le milieu rural, et aussi entre l'approvisionnement en eau et puis l'assainissement. Donc, sous forme, enfin, à travers l'assainissement, nous voyons aussi la question de la défécation à l'air libre. Mais je dis que tous ces aspects sont une invite pour participer aux discussions en ligne qui vont en tout cas intervenir au cours de, à partir du 4 novembre.
Nelson, can you continue with the question on I? Because you are almost about to finish. If there are again some questions before we go to call of action. I think this is pretty helpful to recognize that we have quite a lot of questions, which we'll definitely endeavor to respond during the also e-discussions, but we'll also find a way to develop a paper of question and answer and share to all the participants. So we can proceed to the format of the e-discussions and conclude, please. Thank you. We can hear you, Usman. Nelson, don't hear me? Now I can hear you. Thank you. Yeah, because I'm losing the network from time to time, the connection from time to time. That is the issue. I'm very sorry for that. I would love to leave to you for the last series of questions and answers before we can close. Yes, so I was saying that based on the fact that we don't have time anymore, we will compile these questions and provide answers. Or where we don't have answers, definitely we also assume that in the e-discussions, we'll find a way to make sure that we relate to these as well. So at this point in time, it's better for us to just share the closing elements of the session and also share a bit more about the calendar for the e-discussions. So over to you on that. Thank you. Okay. Alors, merci beaucoup, chers amis, chers collègues qui ont vraiment apporté une contribution et même ceux qui ont participé et qui n'ont pas pu parler, mais qui ont en tout cas écouté les différentes communications et les discussions. Je vous remercie infiniment pour votre participation intensive au cours de ce forum. Donc, au moment de clôturer les débats, et comme nous l'avons dit, beaucoup de questions ou de réflexions ont été émises par les uns et les autres. Nous serons très heureux de les retrouver de façon plus détaillée, de façon approfondie au cours des semaines de discussion à venir. Et ceci dit, je voudrais, en termes de remarques de clôture, en tout cas, dire merci aux panélistes pour leur disponibilité et le partage de leurs connaissances. Merci aux interprètes surtout qui ont facilité les interactions dans les deux langues en dépit des conditions, en tout cas de leur intervention. Je remercie également mes collègues Nelson, Aline, Renard et tous ceux qui ont animé avec moi ce webinaire, même ceux qui sont en tout cas dans l'ombre qu'on ne voit pas, mais qui ont rendu possible ce webinaire. Ces nombreux collègues organisateurs qui sont restés dans l'ombre, mais dont les contributions n'ont pas été moins importantes dans la mise en place de la logistique du webinaire, malgré les différents écrits qu'on a pu en tout cas voir. Je dis également merci aux partenaires de développement, membres du Roi-San, qui ont accompagné la banque pour l'organisation logistique de ce webinaire. Enfin, à tous les participants, je dis merci pour leur présence et leur contribution. Je vous demande de continuer les discussions en ligne, de diffuser largement, en tout cas le webinaire, pas le webinaire, mais une discussion en ligne autour de vous, de façon à ce que la participation soit très intensive, notamment aux francophones. Je leur lance un appel particulier, parce que de temps en temps, et très généralement, c'est l'anglais qui domine. Les participants anglophones sont plus nombreux que les francophones. Donc, il y a un retard entre justement la participation des anglophones et des francophones. J'invite les participants, en tout cas d'expression française, d'être très nombreux pour pouvoir justement apporter aussi la contribution de leur expérience sur le terrain au même niveau que les anglophones. Donc, nous allons continuer les discussions en ligne. Vous avez en tout cas la présentation des différents contacts. Le site à travers lequel justement nous allons pouvoir faire cette continuation. Le lien a été donné, bon, vous voyez sur en tout cas l'écran qui est partagé, le lien à ce niveau-là. Je vous remercie très sincèrement de votre présence et de votre contribution et on se donne rendez-vous après demain, le 4 novembre, pour commencer les discussions en ligne. Merci.